Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une nouvelle vidéo qui va être sur tout ce qui est solde, promo et également vente privée parce qu'on n'est pas encore aux soldes. Les soldes ça commence le 22 juin, mercredi. Mercredi 22 juin, mais moi j'ai préféré faire des ventes privées parce que c'est quand même plus intéressant, on a plus ce qu'on souhaite et voilà, on trouve plus facilement nos tailles. Donc c'est parti, je vais vous parler de plusieurs endroits où j'ai trouvé pas mal de choses en promo. En tout premier lieu, je vais vous parler de chez Sephora. Donc grâce à Octoly et grâce au parrainage qu'on a effectué tous ensemble, j'ai pu avoir une carte cadeau de 330 € chez Sephora, donc ce qui est juste énorme. Donc si vous n'êtes pas encore sur Octoly, que vous êtes youtubeur ou youtubeuse et que vous souhaitez parler voilà, de produits, pouvoir commander des produits gratuitement et en parler sur des vidéos, je vous donne mon lien de parrainage, vous gagnez des octopoints, j'en gagne aussi et c'est ce qui nous permet d'avoir en fait ces cartes cadeaux que j'ai pu avoir chez Sephora. Donc je remercie énormément Octoly pour ça et c'est parti pour ce que je me suis pris chez Sephora. Donc en tout premier lieu, je me suis acheté la Makeup Eraser, je sais pas comment ils appellent ça. En fait c'est une serviette démaquillante réutilisable jusqu'à 1000 lavages. On peut la nettoyer en fait en machine, on peut la nettoyer jusqu'à 1000 fois en machine. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre deux produits. En fait il faut juste mouiller la serviette à l'eau tiède et après on passe la serviette démaquillante sur son visage et ce qui nous permet de nous démaquiller. Donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous en dirai des nouvelles, ce que j'en pense, si c'est pour moi un top ou un flop. D'ailleurs je risque de vous faire une vidéo top ou flop. Chez Sephora j'ai eu un code promo de moins 25% et je vais vous mettre le code juste en dessous s'il est toujours bon. Je vous le mets juste en dessous, il y a moins 25% des 100 € d'achat, donc c'est hyper intéressant. Et donc cette lingette démaquillante, elle valait à la base 19,90 € si je ne me trompe pas. Voilà, et du coup j'ai eu moins 25% dessus tout simplement. Ensuite, je me suis pris toujours chez Sephora le Melty de Too Faced, c'est le rouge à lèvres que je porte actuellement sur moi, qui est le Melty Berry. Donc celui-ci il vaut 20 €. Ah ça va, je suis étonnée. Donc moi j'adore les rouges à lèvres des Melty parce que c'est un rouge à lèvres un peu liquide et il sèche très vite. Ça veut dire que on peut se faire des bisous et on ne transmet pas de rouge à lèvres et c'est pas un côté glossy, donc ça c'est bien, il sèche très vite et les couleurs sont vraiment intenses. Donc voilà, j'en suis clairement fan. Également je me suis pris toujours chez Sephora le vapeau de sac de chez Chanel parce que mon parfum c'est le Mademoiselle Coco et je ne l'avais pas en version sac à main et je trouve ça hyper joli. Donc on a juste à tourner et il sort comme ça. Donc celui-ci coûtait 108 € avec des recharges à mettre à l'intérieur. Également je me suis pris un autre parfum qui est mon second parfum que j'utilise au quotidien, qui est le Miss Dior, le parfum, pas le parfum. Et celui-ci vaut 125,50 €, les 75 ml. Franchement ils sont pas donnés hein, les parfums. Et plus ça va et plus ça augmente. En tout cas je l'adore, cette odeur est très très forte hein, par contre. Toujours chez Sephora, je me suis pris le kit à pinceau de chez Too Faced. Donc il est vendu avec cette jolie trousse et dedans on a tout simplement 5 pinceaux, un pour les joues et le reste pour les yeux. Donc il y a du mélangeur, du pinceau plat, etc, du courbé. Et le kit de pinceau quand même 56,50 €, mais si on met le pinceau individuellement, on va dire, ça fait à peu près 11 € le pinceau, donc ça va, c'est pas non plus extrêmement excessif. Et franchement, ils sont hyper doux, le design est très girly par contre, il fait très très petite fille. Mais ah oui, c'est un pinceau à liner, un pinceau à poudre, un blender, un pinceau plat et un contour des yeux. Ah ouais, ils sont bien. Donc voilà, avec la petite pochette pour les ranger, j'ai craqué sur le design. Et le packaging Too Faced qui m'a clairement donné envie. Ensuite, dernier produit de chez Too Faced, je me suis pris la Sweet Peach palette de Too Faced qui sent la pêche. J'étais trop étonnée, je ne l'ai pas pris pour ça, je l'ai pris plus pour ses couleurs. Et là, c'est vrai que les couleurs me donnaient bien envie. Elle est vraiment trop chou pour cet été. Donc voilà, vous avez un côté dégradé sur le packaging, il y en a lu. Et quand on l'ouvre, on a une glace à l'intérieur avec tous les fards. Et voilà, qui sentent clairement la pêche. Et c'est des couleurs un peu... pas pastel, je vais pas dire pastel, mais vraiment d'été, c'est des couleurs assez douces, mis à part les 6 derniers fards, mais sinon c'est des couleurs assez neutres, donc j'aime beaucoup ça. Voici pour cette palette, elle vaut quand même celle-ci 44 €. Par contre elle sent vraiment trop bon. Ensuite, je me suis pris quelque chose dont j'avais besoin, qui était la brosse pour ma Clarisonic. Il fallait que je la change parce qu'il faut changer les brosses pour pas qu'il y ait toute... Enfin déjà, elle...
C'est comme une brosse à dents, c'est qu'elle n'est plus, les poils ne sont plus aussi rigides. Et en plus de ça, c'est plein de bactéries avec l'eau, etc. Donc, à force, il faut la changer. Et dernier produit chez Sephora, ce que j'ai pris, c'est un vernis de chez Essie. Vous avez les toutes dernières formules, les Essie Couture. Ça s'appelle comme ça. Et là, c'est une couleur extrêmement jolie. La couleur, c'est Zip Me Up. Vous avez vu, le packaging du vernis n'a rien à voir. Et apparemment, il tiendrait plus longtemps. Et voilà, il serait beaucoup plus mieux au niveau de sa tenue et des couleurs. Mais les couleurs sont vraiment très fun. Et ensuite, il a un côté un peu irisé. Et c'est le vernis que j'ai sur moi. Donc voilà pour chez Sephora, mes petites templates grâce à Octolive. Donc je vous remets mon lien de parrainage en barre d'infos. Vous l'avez un peu partout, ce lien de parrainage, si vous voulez vous inscrire. Utilisez celui-ci, comme ça vous gagnez des points et moi aussi, ce qui nous permet après d'avoir des bons d'achat comme là. Ensuite, j'ai reçu de la marque Twixie et surtout je crois de chez Beauté Privée, c'est ce qu'il y a en ce moment, c'est grâce au site Influence for Brands. Je vous mets toujours le lien de parrainage également si vous voulez vous inscrire. Et donc ils m'ont envoyé gratuitement le dernier Twixie, ce qui permet en fait tout simplement de tenir son vernis lorsqu'on se fait une manucure. Des fois on sait pas trop où mettre le vernis. Et alors bon, là j'ai pas le vernis le plus adéquat vu qu'il a un packaging assez bizarre, mais on cale le vernis dessus et on le pose là pour après pouvoir faire sa manucure sans tenir son vernis. On a les mains plutôt libres, ce qui est vraiment pas mal. Donc je vous en dirai des nouvelles aussi si j'ai beaucoup aimé ou pas. Ensuite le packaging là, c'est couleur bleue avec des petites paillettes. Non, c'est sympa, c'est rigolo. C'est ludique, hein, on va dire. En tout cas, vous allez avoir une vente. Je vous mets tout en barre d'infos vis-à-vis de ce produit. J'ai été chez H&M et vous savez, je ne sais pas d'ailleurs si vous le savez, mais dès que vous ramenez 3 articles, 3 t-shirts, tachés, pas tachés, troués, pas troués, quand vous ramenez 3 habits, vous avez 5 euros de bon d'achat à utiliser des 30 euros d'achat. Donc j'ai acheté un maillot de bain pour mon beau-père. Je ne vais pas vous le montrer, c'est un basique d'ailleurs. Si vous voulez offrir des maillots de bain à vos chéris, ils sont vraiment pas chers. Et du coup, je me suis pris ce short à dentelle dont je vous avais parlé dans ma wishlist d'anniversaire. Je l'avais montré en bleu, je vous mets le lien là-haut. Et du coup en fait je me le suis pris en noir parce que je suis sûre que je vais pouvoir le mettre avec n'importe quoi. Et je l'ai posé quelque part et il est déjà taché. Donc il y a plein de petites broderies, c'est assez joli. J'essaierai de vous mettre un focus vidéo sur moi. Toujours dans la partie mode, il y avait les ventes privées Minelli, je crois qu'elles y sont encore. De toute façon il y aura les soldes, ça reviendra au même. Je me suis pris ces nu-pieds de couleur dorée. À la base ils étaient à 79€, avec les ventes privées je les ai payés 55€. Made in Italy, de toute façon moi j'adore les chaussures chez Minelli, je vais vous dire. Mais maintenant j'attends toujours les ventes privées parce que l'été n'est pas encore passé, qu'elles sont déjà soldées, je n'achète plus en avance. Et puis généralement on trouve nos tailles, donc voilà, c'est pas le problème. Et c'est d'une couleur dorée, donc elles sont hyper jolies, plutôt simples et très faciles à assortir. Et c'est du cuir, donc voilà, moi j'adore les chaussures Minelli. Voici pour cette paire de nu-pieds. Maintenant on passe à la partie déco, donc là j'ai été aux ventes privées qui ont commencé mercredi dernier, vendredi dernier chez Maison du Monde. Et chez Maison du Monde je me suis pris tout simplement des serviettes de table qui vont dans l'esprit de chez moi, de couleur bleu bien pastel et avec des sortes de chevrons, c'est pas vraiment des chevrons, ça serait même des triangles on va dire. Pour vous dire le prix de ces serviettes... elles valaient 9,99€ les 4 et elles étaient à moins 30%, donc je les ai payées 6,99€ les 4. Je me suis pris ces lots de verre, ils sont vendus ensemble par 6 si je ne dis pas de bêtises. C'était 14,99€ les 6 verres et il y avait moins 50%, donc ça valait 7,50€ les 6 verres. Pour finir, j'ai eu la chance par ma meilleure amie d'être gâtée. Donc ma meilleure amie m'a ramené hier soir la balance que je voulais, dont je vous avais parlé dans la wishlist. Comme quoi ça peut servir de faire une wishlist. Donc elle m'a ramené la balance de chez Maison du Monde que j'ai juste derrière, avec le design un petit peu vintage de couleur bleue qui va carrément chez moi, j'adore. Également elle m'a ramené cette bougie de chez Maison du Monde aussi qui est en ce moment, qui va aussi très très bien avec mon chez moi. Par contre elle est abîmée dessus, donc faites attention quand vous prenez les choses chez Maison du Monde de ne pas prendre des articles abîmés, sinon elle est juste trop mignonne. Et je suis vraiment ravie de ça. Je sais pas si je vais la laisser là, mais bon, en attendant, je la laisse là. Voici pour mes petites trouvailles. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à utiliser les codes réduction que je vous ai donné pour chez Sephora et également mon lien de parrainage si vous voulez vous inscrire vous aussi sur Octoly.
De toute façon, je poste des photos de tout ça aussi sur mon Instagram. Je vous laisse le nom de mon Instagram, Sarah Astuce de Fille. Et n'hésitez pas jusqu'au 30 juin, vous avez toujours mon concours qui est soit sur YouTube ou soit sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Et on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo wishlist sur ma liste de cadeaux de Noël pour mon anniversaire qui sera le 16 juillet. Donc voilà, je vais faire 25 ans et ça fait vraiment tout drôle parce que j'ai l'impression d'être encore une enfant tout simplement.